Moi, salut Zabim, et c'est avec un pile plaisir que nous sommes capables de rejoindre encore jeudi, qui c'est lundi 6 février, pour nous capables poursuivre avec études en école du sabbat semaine. Jeudi, nous allons ensemble Abraham, le père des fidèles. Abraham, le père des fidèles. Mais pas oublier, nous avons étude numéro 6, amasser du trésor au ciel. Éternel notre Père et notre Dieu, nous faisons louange pour vous parce qu'on dit de ça. Encore aujourd'hui, nous venons pour nous continuer avec l'étude que nous avons faite tout au cours de semaine. Nous demandons au bon papa qui est capable d'aider nous à comprendre davantage parole et puis mettre en application. Bénis-nous, sauvez-nous. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Bon, merci encore une fois, Zamim, pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Pas oublier leur fin d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager ou partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde capable de vivre étudier le son école du sabbat. Si pas de quoi abonner, je vous fais ça bien rapide et puis encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Et verset nous pour nous mémoriser dans l'étude maintenant, c'est Marc chapitre 8, verset 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Version créole. Un homme qui gagne le monde entier pour lui, qui s'en sa servi s'il vient perdit la vie. Ou encore, qui s'en un homme capable de bailler pour gagner la vie? Marc 8, versets 36 et 37. Jeudi, c'est lundi 6 février, Abraham, le père des fidèles. C'est thème que nous parlons ensemble jeudi. Bon Dieu t'a relé Abraham pour quitter pays, pour quitter proche, pour aller dans un pays que bon Dieu pourra le montrer. Un pays que Abraham pas même connaît. Comme ça, nous parlons et lié Messia, il pourra commencer. Bien que détail pas trop mentionné, mais Abraham t'a dû quitter pays naissance li, pays côté que lui-même était fait, pays côté qu'il était commencé développer, pays côté qu'il était commencé construire une série de bagailles, bon Dieu t'a mandé avec Abraham pour laisser. Certes, c'est pas une décision qui était facile. Et sans aucun doute, il était capable et peut-être nous était capable de dire renoncer avec une série de plaisirs qu'il te connaît sur la terre. Il était renoncé également peut-être avec confort qu'il te gagne. Mais quand même il était laissé. En regardant dans Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3, comment toute famille sur la terre était bénie à la suite de promesses et d'acceptation Abraham. OK? Donc, alors, comment toute famille sur la terre pral bénie de promesses et pral bénie tout parce que Abraham était d'accord. Promesse ça parce que Abraham t'a accepté. On a regardé qui ça texte ça lui-même lui dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je te maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est un événement majeur qui changeait la vie d'Abraham avec la vie familiale. C'est par la foi Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'elle devait recevoir en héritage, mais il partit sans qu'elle par connaît côté le bras. Nous avons obéissance totale et empressée d'Abraham, c'est un plus bel exemple qui nous vient de la vraie foi qui gagne un dans Bible. La plupart d'entre nous et nous t'es capable pas excité pour nous quitter patrie nous pour nous quitter les amis nous pour nous quitter ma famille nous mais nous Abraham il pas de problème ça. Abraham était satisfait côté que bon Dieu te voulait aller il était satisfait que ça côté bon Dieu te voulait aller il pas de problème. Aussi étrange que ça lui était capable paraître ni Abraham ni Isaac ni Jacob pas de jambes recevoir, tant que bon Dieu te remet la baille lorsque tu es vivant. Mais malgré tout, tu es fidèle avec bon Dieu. Tu n'as pas de jambes
eh bien, la gecko dans désobéissance, yo te rete fidèle malgré promesse là nan vivant yo li pa accompli, yo pa vivre li. An al li nan Hébreux chapitre 11 verset 8 à 13. Ki message pertinent qui adressé avec nous en dans passage ça. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah lui elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham, t'es un couillon prince pour moun qui t'es dans l'entourage. Je te connais Abraham comme étant un homme qui généreux, qui courageux, qui hospitalier et comme étant serviteur du Dieu très haut. Il te bail un témoignage exemplaire pour bon Dieu. Par la grâce de Dieu, nous-mêmes, nous sommes héritiers d'Abraham. Même Jean-Abraham était quoi dans bon Dieu, et bon Dieu était justifié à Abraham. Eh bien, et nous-mêmes, tous qui sommes héritiers d'Abraham, eh bien, nous besoin quoi dans bon Dieu ça. Nous besoin de la foi dans bon Dieu ça en tant que petit d'Abraham. Et si nous, avec Christ, nous sommes postérité d'Abraham, nous héritiers promesses là. Dans l'histoire d'Abraham, tout comme dans l'histoire nouée, que nous avons déjà, eh bien, nous avons une prise de décision majeure qui change la vie, qui est capable de changer la vie lorsque nous sommes d'accord obéir ensemble avec bon Dieu. Lorsque d'accord pour obéir avec bon Dieu, système que vous avez vivre, mode de vie que vous avez gagné, est capable de changer à tout moment. Mais ça qui est important, quel que soit le type de changement que bon Dieu est capable de demander pour nous porter dans la vie, nous besoin obéir, nous besoin accepter les sans plein. Parce que les bons Dieu demandent pour faire un changement, il y a de grandes récompenses. Et les récompenses bon Dieu réservées pour nous, c'est des choses éternelles. Ce n'est pas des choses qui périssables, mais c'est des choses éternel qui est. On nous lit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comme un message qui, en deux versets, ça, t'as de gain impact sous genre de décision spirituelle que nous-mêmes nous appelons. Et comment Moïse et Abraham te suivent même principe ça? Eh bien, nous étudions, je dis encore une fois, les a encouragé nous pour que nous sommes capables d'obéir ensemble avec bon Dieu. Nous te voyons déjà et nous étions fidèles. Pendant que nous avons obéi avec bon Dieu, nous Abraham encore. Bon Dieu m'a demandé pour prendre nous. Décision majeure pour porter un grand changement dans la vie. Et nous, monsieur, ça yo, vous êtes obéi ensemble avec bon Dieu. Et bien, moi, ensemble avec vous tous, nous appelons pour nous capables, et bien, obéir ensemble avec bon Dieu, quel que soit type de changement, l'État demandé pour nous porter dans la vie. Nou. Et nous, Abraham, quoi dans bon Dieu justifié, et nous-mêmes également, nous sommes petit Abraham, héritier selon la promesse. Nous avons besoin fidèles ensemble avec bon Dieu. Nous avons besoin d'obéir même avec Abraham, comme ça, pour que bon Dieu soit capable de réaliser de grandes choses dans la vie de chacun. Abraham, le père des fidèles, c'était une portion d'étude ça que nous avons ensemble aujourd'hui. Nous remercions bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables d'héritiers
éclairer davantage. Et comme ça, nous sommes capables de pratiquer la parole dans la vie. Bénis-nous, sauvez-nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les absolutes bonnes études. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.